la blague de l'humain. Il est 4h19. En fait, j'ai pas vraiment dormi. J'ai essayé de me reposer pendant 1 heure et j'ai pas réussi à dormir, mais c'est pas très grave, comme on dit, hein, voilà. Et le truc, c'est que j'avais mis un réveil à 4h pour me préparer. J'ai mis 17 minutes. Montrer ma dégaine. J'ai dit qu'il allait faire froid, donc autant mettre un sweat directement. Comme ça me fait moins de choses à porter. Je crois qu'il me reste encore une demi-heure avant de partir. Suis-je pressée? Oui, clairement. J'ai trop hâte. Je suis comme une gamine. Et on va essayer de filmer tout ça. Je vais en quart avec le Parti communiste français de Ardèche et de Loire qui font un bus à 60 euros aller-retour. Qui est vachement pratique, qui est à Saint-Étienne, donc pas très loin de chez moi. Vous entendez, je n'ai déjà plus de voix. Donc à la fin du week-end, je pense, je ne peux plus parler. Ok, on va aller chercher de l'argent. On y va. Let's go. Il fait tout noir. Voilà, il fait tout noir chez moi. Première mission faite, j'ai récupéré l'argent pour le festival. Maintenant, deuxième mission, c'est aller à Saint-Étienne. C'est à 33 minutes de chez moi. Donc voilà, allez, on y va. On va rejoindre le bus. Let's go. C'est vrai que je suis arrivée au bon endroit. Je vérifie, je suis stressée. Je suis arrivée une demi-heure en avance. Donc, pleut, il flotte. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein, hein? On y croit? Arrivé à la fête de l'Huma et j'ai rencontré une joyeuse espèce. Bonjour. C'est toi qui as monté la grotte. C'est les hommes qui montent la grotte. Ouais, c'est les hommes. Les hommes, il est inutile. L'homme inutile. Regardez là, notre palace de ce soir. C'est parti sur le premier repas de l'Huma. J'ai pris un falafel avec un coca. On verra ce que ça donne, je vous dirai. Voilà. C'est pas très cher. C'est aussi humaniste. On est pour l'égalité, pour la dignité des peuples. Donc c'est très très important. Et on voit qu'on n'est pas vraiment très médiatisé, nous, à l'UGFP, comme les camarades de Tzedek. Maintenant, on va parler pognon, pognon, pognon. Je pense que le premier soir, c'est ok de se reposer. Oui, on va se reposer, joyeux. On attend Vibro, là, avant de manger. Joyeux sociologue est déprimé parce qu'on ne mange pas. Je pense que plus que d'être déprimé, il s'agit avant tout d'une question fondamentale de ontologique de l'être humain et du vivant. La question c'est est-ce qu'on bouffe ou pas en tant qu'être humain? J'ai faim et je suis gros, vous aurez remarqué, les gros ils ont faim, c'est pas un stéréotype. Thank you.
de la tente de Joyeux. Il est minuit 49. Il y a toujours de la musique. Nous sommes fatigués parce que nous avons fait beaucoup de voyages. Ah, ça change tout. Ah, vraiment, on est dans l'ambiance. Bonjour, je suis Feldup et je vais vous raconter une histoire qui fait peur. Comment ça, dans la nuit du 26 novembre 1995, sans le savoir, les parents de Joyeux sociologue venaient de faire naître un enfant. Bon, ils le savaient un petit peu parce qu'ils avaient 6 mois pour s'y préparer. Enfin, 9 mois. Ou peut-être 6, j'en sais, je suis fini à la piste. C'était bien ta première journée, Jimmy? Alors franchement, qu'est-ce que t'as préféré? Moi j'ai bien aimé le croque-monsieur. Non, en vrai. En vrai, il était pas top. Le croque-monsieur. J'ai fait chier pour un croque-monsieur. Il était pas top. Je dirais que pour une première journée, en vrai, c'était trop cool de voir des guests. On a vu à balle de monde. On est tombé sur H. J'ai pas filmé. Et les Nofi, ouais. Et par hasard, vraiment. Deux fois par hasard. C'est trop bien. On a vu Escargot. Ouais, il est cool, Escargot. On a vu Tata Drapi. On a vu Vibro Michel. Alors, je suis pas resté trop longtemps parce que. J'étais pratiqué. On s'est passé devant Fabien Roussel et j'ai gueulé la saucisse de Fabien. La saucisse de Fabien. En vrai, dans tous les concerts que j'ai regardés là. Bah, il y a que les Vulves Assassines qui étaient bien. Ouais, c'était mais pas mal, hein, les Vulves Assassines, il y avait très une cool. Sale ambiance, c'était vraiment cool. Ah ouais, après, peut-être je suis ultra prétentieuse, etc. Mais, enfin, niveau son, mais je trouve que ça fait très son de Paris, etc. Et c'est pas forcément des trucs qui me bottent. Tu vois, Gwendoline ou je sais plus comment il s'appelait, un autre. En fait, il chante parler, un peu comme Fauve. Et très très parisien et oh là là. Et je me rends compte que j'aime trop les boum boum boum. Boum boum boum. Le festival est sympa, mais à noter, les gens ne sont pas très polis, ne sont pas très courtois, mais ça c'est, je pense que ouais, c'est parce que c'est parisien. J'ai été poussé par une communiste. Je me suis fait frapper. Non mais parce que vraiment, les gens ils se bousculent pour aller d'une scène à une autre. Ouais, j'ai jamais vu ça dans aucun autre festival. J'en ai fait un, hein, des festoches. Ouais. Mais souvent c'est plus. Non, mais ça, moi je suis sûr, c'était les trotskistes. Là, la con. Non, mais il y a beaucoup pas de communistes. Hein. Ouais. Ouais. Il y a du vieux coco aussi. Il y a du vieux coco, mais. Tu vois, je pense. Après, j'ai vécu à Paris et. Bah, moi je me sentais oppressée à Paris. Même au niveau militant à Paris, il n'y a pas tout le temps ça en fait. Mais je sais pas, je pense que c'est parce que c'est un festoche, les gens ils sont... Les gens ils sont excités, ils sont bourrés, etc. Ouais. Mais on n'a pas beaucoup bu. Ouais. Voilà. Parti, deuxième jour à la fête de l'UMA. Petit déjeuner, thé et eau pétillante parce qu'on n'a pas bu assez d'eau hier. Sinon, la nuit était excellente, un peu mal dormi, il y avait beaucoup de bruit et le camping quoi. Et j'ai rencontré des gens très sympathiques. Joyeux sociologue. Bonjour. Et... Oui, ça ne veut pas. Ah là là. Je suis pas faite pour être derrière les caméras. D'accord. J'ai rencontré quelqu'un de super. C'est moi, mais j'ai bu trop de bière à cause du cogit hier. Mais ça va bien quand même. T'as un peu la voix cassée quand même, hein? Un petit peu, j'ai un peu chanté. Il y avait du Mylène Farmer au bar du camping, alors du coup j'ai chanté Mylène Farmer. J'avais pas le choix, c'était comme ça. Et je te jure. Mais c'est super, on est parti pour 2 jours de plus, voilà, je suis déterminé. Let's go! La guillotine, c'est pour Macron. La guillotine, c'est pour Macron. La table ronde qui va avoir lieu, la discussion sur l'extrême droite et la question des médias, qui est un sujet qui nous préoccupe tous et tous. Service public. Donc là, je vais vous parler donc, plus particulièrement du service public de l'audiovisuel. Le service public de l'audiovisuel, il va suivre... Aujourd'hui, là, cette même bourgeoisie, parce que c'est le même plan social qui a organisé, encore une fois, cette bataille culturelle du libéralisme et de l'individualisme de nos sociétés, qui, elle, se radicalise. Malheureusement,
vêtements, il y a la différence d'âge phénoménale entre une jeune fille, très jeune fille, mineure, et un homme plus âgé. Et au bout d'être dit, il faut dire que les Français ont une réputation. Les Américains le disaient souvent. S'exprimer de la part de certaines personnes ici dans la salle, notamment parce que François, récemment, tu es allé sur BFM et je te le dis avec la plus grande sincérité militante que je peux avoir, tu as blessé énormément de camarades, notamment la jeunesse qui s'est mobilisée. Ça va, donne la patte? Ouais, à part mes vertiges. Ça va, Escargoug? Ouais, il y a de la queue. Oui, va-t'en. La deuxième journée avec le cogite qui est à côté de moi. Ouais. Nous sommes encore au festival. On a fait une pause camping, on a rigolé, on a bu avec des gens qu'on ne connaissait pas et c'était fort agréable. J'avais dit que la bouffe, c'était pas terrible. C'est vrai que j'ai mangé de la coriandre. Aujourd'hui. Oh, c'était pas ouf. Non, en fait, j'ai mangé un plat brésilien, il y avait de la coriandre dedans. Et j'ai cru que j'avais mangé du saumon tout plat. Bon, bref, c'était une horreur. Mais, on a mangé des frites. Les frites étaient bonnes. Et on a mangé aussi des ravioles. Pas très vegan. Donc, on est dans le festival. Et vous voyez, c'est très vide parce qu'il n'y a plus personne. Parce que tout est fermé. Le coaching, avez-vous des mots à dire sur votre deuxième journée? Excellente journée, Raphaël Arnaud, il a couché François Ruffin, c'était exceptionnel. Il y avait l'UMI, c'est le soleil du militantisme, voilà. Exactement, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'était incroyable, surtout le côté militantisme, ouais. Qu'on retiendra sur cette vidéo. C'était très top, c'est vrai que Raphaël Arnaud, on l'a vu deux fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est beau. Les fanzous là de Raphaël Arnaud, insupportable. Non, en fait, c'est un très bon orateur. Le but, en fait, au départ, on devait le voir qu'une fois,
mais il y avait la psychothèque qui en a venu supporter le poteau, tu vois. Bah ben, voilà, la psychothèque qui est super top, très top, parce qu'il y avait Lumi en plus. C'était vraiment un très bon débat. Ruffin, beaucoup de frustration en fait. On sait même pas quels sont les autres députés en fait qui étaient avec eux, mais beaucoup de frustration parce que t'avais vraiment l'impression où Ruffin et Raphaël Arnaud voulaient se taper sur la gueule l'un et l'autre. On n'a pas eu de réponse en fait. En fait, au débat de Raphaël Arnaud d'avant, Raphaël Arnaud avait dit qu'il avait des comptes à régler avec François Ruffin au débat d'après. Donc ouais. on savait à quoi s'attendre. Mais justement, il n'a pas pu. Vous l'avez vu, le festival est aussi vide. Moi, je ne l'ai pas encore vu comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Troisième et dernier jour. Let's go. Alors, la situation des députés actuelle est un texte extrême droite majeure. Bonjour, je suis Joyeux sociologue. Non. Et actuellement, en fait, j'essaie de faire en sorte d'être le moins visible possible. Donc, je disparais parce que je ne suis qu'un marsouin. Là, donne la patte. Ouais, non, moi, je bois mon petit brice cola. Je présente, voilà. Donne la papate. Je suis l'agent de Joyeux sociologue. Exactement. En fait, vous voyez, il se rend compte qu'il a dit plein de merde en vidéo. Et c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il va être dans le vlog. Moi, j'ai plus de voix. Non, mais... Donc, vous n'allez pas m'entendre parler aujourd'hui, je pense. Les petites ravioles. Miam, miam. Et oui. Et oui. Bon appétit. C'est très bon. Il faut être capable de cette vision, de cette transformation. En fait, ouais. En fait, c'est des conseils par les gens droits. Je connais. C'est pour ça que je suis déroulé. J'ai pas râlé, j'ai juste dit c'est tout ce qu'il nous fallait justement. J'étais en train de dire on est au top, tout ce qui nous manque c'est les bourrats de choses bretons qui font des blagues. Hein? C'était ça que tu voulais, non? Ouais. Alors attends. Je suis rentrée à la maison. On va mettre comme ça. Mais pas fou, hein. Pas fou, pas fou.
Oh, ah bah très bien ce mois-ci. Je suis rentrée chez moi, ça y est. C'était très bien. J'ai trop envie d'y retourner l'année prochaine. Les gens sont trop cool. Les gens qu'on a l'habitude de voir d'habitude sur nos petits écrans, qu'on voit en vrai, etc. Voir des gens qu'on connaît leur pseudo et qu'on les voit en vrai, c'est cool. Bien fun, il y avait beaucoup de choses, très enrichissant politiquement. Bref, ça fait trop du bien, ça rebooste le moral. Et on se dit l'année prochaine pour refaire la même chose. Tu te sens pas tout seul. Moi, j'ai l'habitude d'être tout seul à longueur de temps, chez moi, etc. Bah, c'est un peu galvanisant d'entendre des discours politiques. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être avec les amis. Comme si on était en famille. Et voilà, les communistes sont sympas. Voilà. J'ai l'impression comme si je parlais d'une espèce... C'est un peu une espèce en voie d'extinction de ce que j'ai pu comprendre. Il galère vraiment à avoir de la jeunesse communiste. Voilà, vraiment, le dernier jour était vraiment plus tranquille, etc. On a fait moins de conf, on a beaucoup parlé. J'espère que vous avez pris un merveilleux moment avec moi, avec plein d'images. J'espère que ça s'est très bien passé. Ce petit matage de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne YouTube et venir me faire des coucous sur Twitch le soir quand je parle d'actualité. Il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont pas tarder quand j'aurai fini de l'enregistrer. Bientôt. Allez, bisous, à la prochaine.